Alors, bonjour à tous. On vient de terminer le French Circuit à Bulle, donc en Suisse. Martin a gagné une nouvelle fois une qualif. Ah, premier cette fois, pas deuxième. Premier, pas deuxième. Donc, la dernière fois c'était avec un deck Grand Blue, cette fois-ci un deck Aquaforce, son deck Clonker. Tout à fait. Donc, je te laisse peut-être commencer par les G3. Alors, pour les G3, Cathringer Boy, sans surprise. Sans surprise, c'est le meilleur strider du deck. Hop, 3. Donc ça c'est vraiment pour fiabiliser le Blue Wave. Tout à fait. Et puis il est un peu inférieur, mais il sert très bien contre les decks genre G1 Rush. Anti-LB, ouais. C'est ça, tout à fait. Pas anti-G. Anti-G, tout à fait. Et ça sauve des games. Quand early t'arrives à 4 dommages, c'est très bien. Ouais. Un Tabas, parce que déjà il est sexy en SP. Très joli, ouais. Et puis parce que des rares fois il peut servir. Rassure-moi, c'est pas le misprint. C'est pas le misprint. Ah. C'est pas le misprint. Et tout simplement parce que tu peux aller chercher avec le fodder. Ah, ça te permet d'épurer le deck. Tout à fait. Donc, c'est très bien. Martin, c'est le meilleur joueur à Quad Force de France. Il est en train de filmer. Oui. Ensuite, il a 2. 4 Phobos. MVP, c'est la meilleure carte du deck. Normal. Il a pas de défaut, il tape à 11 000 tout seul. En early, avec un Blue Wave, c'est ça? Avec un Blue Wave, tout à fait. C'est très fort, ça marche avec Tetra Drive en L2 Break. J'ai gagné un tapis, j'ai déjà. 4 Tidal, parce que Tidal fait des miracles, comme on dit. Encore une carte early. D'ailleurs, merci à la réédition. Tout à fait. Comme ça, on en verra un peu plus souvent. C'est ça. La plupart de mes matchs, je les ai gagnés parce que double Tidal, c'est trop fort. Tu peux piocher directement avec le starter, je te montrerai après. 2 Magnum. Parce que c'est un autre extender et il a l'avantage de ne pas perdre de power lui. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'il demande d'être boosté, donc c'est pour ça que je joue 2. Mais on verra qu'avec le pingouin, en fait, tu t'en fous. Tout à fait, on s'en fout. Et Adelaide, elle est trop forte. Top deck Adelaide, quand t'es tout lock et que t'as un commandeur Tava, c'est tapé 16 deux fois, c'est allé trigger. C'est trop fort. Ça fait 12 grades 2. Parce que les grades 2, comme tout le monde le sait, c'est ultra important dans la Force. Bon, 4 perfects sans surprise. Je joue pas les perfects G, parce que honnêtement, t'as jamais de problème de CB dans la Force. Et des rares fois, tu perfect garde tes regards. Parce que Tidal, on le veut sur le terrain. 4 fodder. Souvent, on voit que les gens jouent 7 grades 3 et 4 fodder. Moi, je joue 8 grades 3 et 4 fodder. Parce que les strides, on pourrait pas le croire, même si le deck est très early. Ça fait vraiment du bien pour un stride. Ah, le pingouin, c'est ma carte préférée du deck. 3000 early, ça passe des paliers magiques. Les colonnes magiques, ouais. C'est ça, tout à fait. Et puis 2 Stasia parce que ça aide à achever les nombres d'attaques nécessaires. Bon, et puis ça élimine un rire assez gratos. Tout à fait, un rire à 9000, très bien. Bon, les crits, hein, faut piocher. Hein. L'un des crits les plus cheatés du jeu. Tout à fait. Ouais. Tu fais du plus 1 avec ce crit si tu fais un limit break ou une attaque avec un Tetra Boil. Pour les crits Tavas, pas les crits qui coûtent en charge parce que, comme je l'ai dit précisément, ça sert à rien. Et puis, des rares fois, tu fais une colonne avec Tidal pour taper à 14000, ça peut servir. Tu peux faire une attaque supplémentaire tout en perdant pas de CA, en piochant. Ça te permet d'achever le nombre d'attaques que tu as besoin. Ouais. Donc c'est très bien. 4 draws parce qu'on n'a aucun moyen d'aller chercher ses regards. Faut faire du moteur de pioche. Voilà. Puis bah 4 heals. Mais c'est utile les heals. Ah bah. Tu prends des dommages assez rapidement quand même. Hein. Tu sais, mon limit break il est quasiment jamais passé parce que je me prends des heals. Bubble Edge. Pourquoi Bubble Edge et pas le Blue Wave? Parce que lui, l'avantage, il se fait en early. Quand t'as double tu le fais au niveau 2. C'est ça, tu le fais au niveau 2, tu peux rush sans perdre de CA dans ta main. C'est très fort. Et l'autre, c'est un coup de Dorm Blast et tout ce que tu gagnes, c'est un crit. D'autant que lui, son effet s'applique à partir de la 4ème attaque, tandis que l'autre, pour avoir l'extra crit, c'est à partir de la 5ème. C'est à 5ème, c'est ça. Et donc, même finalement même si tu le fais à partir de la 4ème, t'es même pas sûr. Voilà, et ça demande aussi que ce soit forcément ton manguard qui tape deux fois, ce qui arrive pas tout le temps. Ouais. Là, j'ai zone. Logique. 4 Commander Tavas, une des meilleures first strikes selon moi. Il donne 5000 à une unité qui peut se relever, c'est vraiment trop fort. Si tu stacks des triggers dessus, c'est encore meilleur. Et puis le matchup Link Joker qui peut être compliqué, ça permet de taper derrière, c'est très bien. 4 Tetra Boil. Un Vanguard qui se restend, c'est d'ailleurs le Vanguard qui se restend qui coûte le moins cher du jeu. Tu perds pas de CA. Il se fait très facilement, il suffit que t'aies un restander et que si t'as Hunger Mold en dessous, tu fais plein d'attaques en plus des boosts. Meilleure carte du jeu. La seule contrainte qu'il a finalement, c'est qu'il doit attaquer en deuxième. Même pas. Non, l'attaque en deuxième, c'est que pour Hunger Mold. Ah non, c'est le grade 3 qui donne. Pour avoir le strike skill de Hunger Mold. C'est pour avoir le strike. C'est juste que faut que t'aies ton rearguard qui fasse la 4ème attaque contre le Vanguard. De l'Ambrose, c'est le finisher si on veut alternatif à Tetra Boil. Des rares fois, tu peux pas faire Tetra Boil. Et puis lui, il sert
Il coule, il donne pas counter blast. Et des fois, ton adversaire il veut te deny en te tapant tes rires et en te laissant pas tes counter blast, ce qui est souvent une bonne stratégie. Du coup, il est là pour sortir de ça. Un Wailing. Je disais que cette carte, je m'en étais jamais servi. Elle m'a fait gagner contre Linjoker aujourd'hui. Je vais pas me plaindre. Dans swipe, et si tu sais que le mec il a plein de sentinelles en main et qu'il a pas de zéro, ah ouais. Défonce. Et puis tu détruis un board. En miroir, il est très fort d'ailleurs. Détruire le board, empêcher de garde, et en plus il gagne du power si t'as pu attaquer. Si t'as eu la chance d'attaquer. Si t'as eu la chance d'attaquer. Ce que j'aime pas trop, c'est que souvent. Même les attaques dans le vide finalement, même si t'as des Stasia derrière qui voilà, attaquent à 9, c'est pas grave, ça fait du 5000 sur lui. Et puis ce que j'aime pas trop, c'est que vu qu'il demande souvent d'attaquer vers les derniers, tu peux pas distribuer les triggers sur une autre unité. C'est ça qui est un petit peu dommage. C'est pour ça que je le sors pas souvent. Mais il peut être utile malgré tout. Ouais, mais là il t'en fallait. Ensuite, je joue 5 G gardiens, un Dismail. Il protège les Tidal, il n'y a pas à chier. Pas tout le monde, il faut protéger ses cartes. Tout à fait. Deux Flotias. Alors les G gardiens à confort, on te le dit, à part Nova Grappler, c'est les pires. Et encore maintenant. Parce que elle fait. Pas encore sorti. Elle, c'est Wave 1 et 2. Et lui, c'est Wave 1 et 4. En gros, t'as compris la faiblesse, c'est 3. Mais voilà, des fois, il tape en premier avec le Vanguard, tu gardes à 25 000, c'est très fort. Ça vaut pas le. Qui demande juste d'avoir 3 rires, 3 gradins. Mais voilà. Et pourquoi tu joues pas les autres G gardiens, les Crimental? De Dismail, ça me sert à rien, j'ai jamais besoin de le faire. Metal, au final, c'est le seul cas où il est vraiment utile, c'est quand tu défausses un grade 3. J'ai pas souvent envie de défausser un grade 3. Okay. Eux, ils pallient à presque toutes les situations, sauf la vague 3. Du coup, selon moi, je pense que c'est le top. Aglim, il te sert pas vraiment parce que défausser piocher. Voilà, c'est intéressant. C'est pas assez intéressant. Ok. Du coup, voilà. Bon. Ben, merci beaucoup, Martin. Merci. Félicitations pour une nouvelle place. Très bonne, encore.